Yeah.
Jésus le Christ, notre Seigneur.
Ainsi que toute espèce de méchanceté.
Soyez entre vous plein de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Et
Devant ce dévoilement, on se plaint en disant n'est-il pas le fils de Joseph de Charpentier, ne connaissons pas nos pas, sa mère et son père, parce que refusant Jésus dans les simples catégories humaines et refusant de voir que ce Jésus qui est homme est aussi Dieu. Mais c'est très intéressant, Jésus qui dévoile son identité et dévoile en même temps sa filiation. Nul autre n'a que le Père si ce n'est lui. Non pas qu'il est le Père, mais qu'il soit aussi dans le Père, parce qu'étant Dieu, il est en totale relation avec le Père, et que même disait Moïse n'avait pas pu voir le Père, parce que n'étant pas Dieu, ne participant pas à la nature de Dieu. Nature à laquelle nous sommes appelés pour les derniers jours, nous verrons Dieu tel qu'il est. Mais ça tenait du texte qui est très intéressant, parce que Jésus dit, je suis le Père que je donne, c'est ma chair donnée pour le monde. Alors, Jésus dit le monde. Ces gens, le monde, n'est pas une partie de la terre, n'est pas un groupe de personnes, mais c'est tous les hommes, à la fois les pécheurs et les bons. On voit déjà ici que le salut est ouvert à tout le monde, indépendamment de nos faiblesses, des singularités qui peuvent être les nôtres. C'est-à-dire que Jésus est venu pour tout le monde. Il est venu non pas seulement pour les juifs, mais aussi pour les païens, ce qu'on appelle les nations, nous qui venons d'ailleurs, nous qui n'avons pas participé dès le commencement à l'appel reçu par Abraham, mais qui sont associés, qui sont associés par la filiation et par la foi en Jésus-Christ. La deuxième lecture nous offre la carte matrice de tous les chrétiens. Les valeurs qui doivent être les nôtres, partage, humilité, générosité, valeurs qui nous permettront de parvenir à la montagne, cette montagne dans laquelle nous marchons chaque jour. Ce qui nous fait arriver à la lecture du texte qui nous intéresse essentiellement. Alors, il faut dire que le deuxième du roi n'est pas écrit de manière, il n'est pas écrit de manière chronologique. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris un événement, ensuite tel événement, ensuite. Il est écrit de manière cyclique. C'est-à-dire le cycle de Élie. Élisée, après viendra le cycle de Samuel, et à partir de Samuel maintenant, l'histoire d'Israël commence à être écrite pour l'été de Dieu. Cette histoire va davantage être précisée dans le livre de Moïse. Alors aujourd'hui, je vous présente le livre, on vous présente le cycle de Moïse, d'Élisée. Alors, Élie a vécu durant la période sombre d'Israël, c'est-à-dire ceux qui ont vécu en 2009. Et dans le monde, vous connaissez un peu ce que ça veut dire, l'histoire sombre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps où il y avait le massacre. Le massacre de l'édition, ce n'est pas tant la jugement des personnes, mais c'est le revers, le retournement devant la loi de Dieu. Alors, le roi Akaz, qui est considéré comme le roi le plus impie d'Israël, s'était associé au roi païen. Et il a fait entrer en Israël toute divinité. Alors, il voulait acheter une terre. Et le monsieur a dit d'acheter la terre avait refusé. Parce que la terre chez le juif, c'est un héritage que le partage par le nom du roi. Alors, on a acheté sa terre, le monsieur a refusé. Et la mère de la belle va voir le roi triste, elle va faire tuer cet homme. Elle va dire au roi. Et c'est là où on a pris cette expression. Tout appartient au roi. Elle va dire au roi, mais tu es roi. Toutes les terres t'appartiennent. Disposer des hommes et des personnes, des choses conformes de sens. Et Élie n'a plus le roi que tu as péché contre Dieu. Et Jézabel va vouloir tuer le roi. Élie. C'est très intéressant parce que Élie marche pendant un jour et il est pris de fatigue. Il marche où? Il marche vers la montagne du Rêve. C'est-à-dire le Rêve, c'est la première montagne à laquelle, bien sûr, laquelle Dieu s'est révélé, Yahvé s'est révélé à Moïse. Ensuite, il va davantage se révéler sur le mont Sinaï. Donc, il marche vers la montagne qui est le lieu de la rencontre avec Dieu, qui est le lieu de la proximité avec l'Éternel. Et la montagne, c'est un peu le ciel. Marche vers la fête, chacun d'entre nous est appelé à faire. Chaque jour, nous marchons vers la montagne où le Seigneur dit à une fête, le Seigneur ordonnera pour chacun un destin et lui-même servira ses élus. Alors, Élisée marche, Élie marche, et
Un jour, il est déjà fatigué. Un jour, se trouvant nous passant la nuit ténèbre, nous ployons sur le fardeau pérou que notre péché. Alors oui, il dit, dors, et le Seigneur lui donne un pain mystérieux. Et c'est intéressant de remarquer que quand le Seigneur donne le pain à Élie, on dit Élie marcha 40 jours et 40 nuits vers la montagne. Une fois qu'il prend le pain mystérieux, il marche 40 jours et 40 nuits. Si Némé, c'est-à-dire hypothèse, sans moi, vous ne pouvez rien, nous dit Jean 15, verset 5. Alors, quel est ce pain mystérieux qu'Élie avait mangé? La tradition reste ambiguë sur le pain. Mais la suite de l'histoire nous dit que ce pain, c'est le Seigneur lui-même descendu du ciel. Il le dit dans la page d'Évangile, je suis le pain vivant descendu du ciel. Ce pain, c'est le Seigneur. Mais qu'est-ce que ce pain fait à Élie? On dit le pain avait fortifié Élie. Ce qu'était la vie du Seigneur, ce c'était, il a marché avec les pauvres, avec les mendiants, avec les malades, pour fortifier la vie de chacun. Il a enseigné les foules, enseigné les disciples pour fortifier la foi. Mais hélas, celui qui était venu pour le fortifier, trouvera la mort sur son chemin. Et notre Père, il nous laisse alors sa présence qui est président de l'Eucharistie. Il dévoile ainsi la fonction première de l'Eucharistie. Fortifier la vie humaine, fortifier l'homme. C'est Jésus qui est parti. Ne le laisse pas seul, en plus du paraclet, qui est l'autre Christ, il nous laisse de l'Eucharistie, qui est sa présence même. L'Eucharistie, c'est le Christ présent au milieu de nous. Alors, on comprend ici que l'Eucharistie a vocation de fortifier tous ceux et celles qui s'approchent de nous. Bien d'elle, selon nous. L'Eucharistie nous fortifie devant le mal. C'est un remède qui nous aide à résister au péché. Il est le pain qui nourrit notre corps pour nous redonner les forces. Alors, quand vous venez chaque dimanche à la messe, que ce soit ceux qui communient de manière physique et ceux qui communient de manière spirituelle, vous venez recharger vos forces comme Élisée pour cheminer encore toute la semaine. Ainsi, on a compris que nous ne devons pas vivre loin de l'Eucharistie. Parce que sans l'Eucharistie, comme Élie, nous allons nous retrouver fatigués. Nous allons nous retrouver en prise aux puissances des ténèbres. Nous allons nous retrouver en prise aux puissances du mal. Et comme nous disons, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors sans l'Eucharistie, nous ne pouvons rien. Si nous faisons des bonnes choses, autant que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu nous est dévoilée dans l'Eucharistie que nous prenons. L'Eucharistie n'est pas seulement de nous donner de résister devant le mal. Il épure aussi nos consciences des choses mauvaises et nous donne de penser le monde avec amour. Parce que, unis au Christ, nous devenons chacun d'entre nous des autres Christ. Nous devenons ainsi des symboles vivants de la présence du Christ au milieu de nous. Alors, fortifiés de cette Eucharistie, nous sommes invités aussi comme Élie à continuer notre marche. Mais en quoi consiste notre marche? Notre marche consiste à dévoiler à ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, à ceux qui sont dans le monde, que le Christ Seigneur est véritablement vivant. Nous avons à être écartés des autres Christ, à manifester l'amour du Christ, à dévoiler le visage caché du Christ par notre manière de vivre, non pas par le discours dont nous sommes capables, mais par notre vécu, notre existence au milieu des autres. Alors l'Eucharistie nous fortifie aujourd'hui, nous fortifie pour que nous allions, nous aussi, enseigner aux autres que Jésus est l'unique sauveur, que Jésus est l'unique source de bienfaits et que Jésus est le seul capable de nous sortir des situations compliquées qui sont souvent les nôtres. En priant ce jour, demandons au Seigneur de nous garder chaque jour proche de lui. Demandons au Seigneur de ne jamais permettre que nous séparions le cas.
notre vie. Demandons aussi au Seigneur la force de témoigner au milieu des nations qu'il est Dieu et qu'il le sera encore pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après avoir écouté cet enseignement riche de signification, nous allons professer notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Par amour pour nous, s'est fait chemin
lumière et vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Salut, gardien du Rédempteur. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Seigneur, notre refuge et notre force, toi qui inspires toute vraie prière, écoute les supplications de ton Église, fais que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa lumière. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Et tu peux en faire le sacrement de notre salut, daigne les accueillir favorablement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Yeah.
ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nos parents avisés connaissance, nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices,
nos rencontres, nos activités, nos projets. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Oh,
Bon travail à tout le monde. Merci, mon père, à vous de même. Merci.